hypé! Parce que les gens aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir, enfin d'acheter en avant-première. Des packs d'avant-première. Style de combat. Donc la cinquième extension d'épée bouclier après. Épée bouclier, bien sûr. Clash des rebelles. Ténèbres rasées. Voltage éclatant. Et bah, style de combat, du coup. Avec des toutes nouvelles cartes. Des cartes alternatives. Le style avec marqué Rengeki, je sais plus quoi là. On va voir de toute façon dans la vidéo. On va découvrir ensemble. Donc, vous pouvez péter la barre de pouce bleu, de commentaires. C'est sorti dans les magasins de jeux société qui font les tournois normalement. Et vu que les tournois sont pas faisables, il y en a qui sont réservés pour justement ceux qui font les tournois. Il y en a qui sont dispo et pour être vendus. Ça dépend du magasin dans lequel vous achetez. Voilà, et en tout cas, il y a 4 boosters et une promotionnelle. Voilà. 4 boosters, un booster évolution de 23 cartes, parce qu'en fait, regardez. Un booster évolution de 23 cartes, dans laquelle il y aura justement une promotionnelle, donc qui est parmi 4 cartes ou 5 cartes, je sais plus. Ici parmi 4, pardon. Une carte promo brillante unique, parmi 4, unique, mais il y en a 4, et en fait, il y en a plein, elle n'est pas unique, mais c'est pas grave. Et 4 boosters, surtout, c'est ça qui nous intéresse. Style de combat. Regardez comment c'est beau les gens, c'est quand même méga beau. Donc c'est l'extension qu'on avait pu ouvrir nous en japonais il y a quelques temps où on avait eu un magnifique dresseur de la mort qui tue. Franchement j'espère qu'on va l'avoir en foulard. Non j'espère qu'on va l'avoir. En tout cas les gens c'est incroyable parce que c'est la première fois qu'on ouvre ce type de produit sur la chaîne depuis le début de nos chaînes. Donc ça fait 7 ans qu'on fait des cartes Pokémon. Et c'est la première fois qu'on en ouvre parce que normalement c'est réservé pour le tournoi et nous ne jouons pas. Non, nous sommes au tournoi et on n'achète pas forcément aux revendeurs sur internet qui mettent 15 fois le prix. Oui. Donc là, ça c'est un très bon produit, franchement. Bon, on va ouvrir un tournoi, on va voir si on a de la chance ou pas. Ouais. J'ai peur. J'ai un peu peur, donc on va regarder comment c'est fait. Franchement, les gens, ça fait plaisir parce que c'est la nouvelle extension, ça sort que le 19 mars officiellement. Oui. Bon, pas les packs d'AP, mais les displays, les coffrets avec des boosters style de combat. C'est assez incroyable. Donc, 19 mars, hein, pour tous ceux qui demandent. Sympa. C'est, non mais ils sont très, c'est très joli, c'est vrai que c'est la première fois qu'on en avait ouvert des Magic à l'époque, donc Magic The Gathering. On avait eu Gideon Foulard. Ouais, et là, on en a eu très très bien. Ah, Démolos, c'est pas mal. Ah, point final. Point final. Ouais, c'est un peu moche je trouve, là en fait, là. C'est ça, c'est le nouveau truc. Ah ouais. Elle est cool, Démolos. Elle est très cool. C'est une belle carte, donc en fait, t'as la carte, donc on va pas l'ouvrir parce qu'en fait, derrière c'est des vieilles cartes je crois. En gros, t'as du Malos probablement. Il y a un truc là au milieu là. C'est un code. Ah oui, d'accord. Non, un code et du coup, ouais, c'est juste des cartes basiques. Ouais. Ce qui est le plus intéressant, c'est ça. C'est les boosters. Est-ce que du coup, il y a les 4 artworks? Je pense. Il y a les 4 artworks. Oh là là. C'est propre. Donc c'est pas mal. Ça fait plaisir, les gens, c'est la nouveauté. Et puis c'est en français parce que j'ai l'impression que c'est sorti avant aux États-Unis. J'ai vu des Américains faire des avant-premières. Avant tout le monde. Oui, c'est ça. Alors, du coup, il y a Pingoléon, Tyranocif, Chiffourse Combat, je sais plus. On va savoir comment il s'appelle. On espère avoir 3 cartes différentes pour compléter. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que c'est vraiment original. Donc vous allez montrer. C'est pour ça qu'ils appellent ça unique parce qu'en fait, ces cartes-là sortiront pas autre part que dans les packs d'avant-première, parce qu'il y a marqué style de combat, épée et bouclier. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des promotionnels. C'est la SWSH090, elles sortiront nulle part ailleurs. Donc, faut nous dire si vous en avez ouvert et si vous avez de la chance. Oh là là. Ça fait plaisir de... Ça fait plaisir d'ouvrir une nouvelle extension. Même si on sait pas si on aura de la chance ou pas. Bah, après, c'est pas l'extension de dingue. Elle est pas, pas la hauteur de Ténèbres embrasées ou Voltage éclatant. Elle est très sympathique si vous quand même. Destinée occulte, Destinée radieuse, Destinée occulte. Non, Destinée, mais j'ai aimé autre part. C'est une série standard, donc du coup, il y aura pas. Voltage éclatant, c'est une série standard, mais elle est ouf. Elle est ouf. Alors, point final, tu vois. Point final. Point final. Donc c'est la nouveauté. Et du coup, il y a marqué ça sur toutes les cartes. Il y a marqué ça. Ça ressemble beaucoup à Ténèbres embrasées, le logo. Oui. J'ai l'impression. Miss Dibul, Cerebou. Non, en fait, il y a les deux. Donc, il y a point final, il y a autre chose. Il y a deux phases différentes. Oh! Et Oku, elle est très très belle. Regardez comment elle est belle. Vas-y, pousse-toi ça. Elle est super belle. Elles sont vraiment belles. J'ai trouvé les cartes quand on les a ouvertes en japonais. Elles étaient vraiment très belles. Énergie. Donc, les peu communes, kit de camping. Très intéressant. Je sais pas si on ouvrait un display, faut nous dire si vous êtes chaud ou pas. Oui, faut nous dire, dans les commentaires. Bon, si c'est une série qui vous plaît. Ce sera pas une extension rare, de toute manière. Nosferatu, et pour finir le premier booster. What? Oh! C'est une blague! Bravo Guillaume. C'est incroyable. C'est une blague. Bah très bien, bon c'est pas un Pokémon, mais c'est incroyable. Donc l'autre c'est 1000 points. 1000 ans de souffrance. Mais les... sérieux quoi. Je m'attendais pas. Une gold, très bien. Une blague. Ok. Non mais c'est une vaste blague.
Je crois qu'on a trop de chance sur Pokémon. Non, mais premier booster et t'as une gold. Bah, c'est assez incroyable, ouais. C'est assez incroyable. Bah, c'est, je sais pas combien ça vaut, je sais pas si c'est utile, je sais pas si c'est utilisé en tournoi, si c'est vraiment une carte recherchée. Je sais pas. Mais elle est très jolie. Elle est très belle. Et elle on commence le tout premier booster de l'extension, une gold. Les gens, non, est-ce que c'est pas un est-ce que c'est pas le destin? Est-ce que c'est pas un signe? Est-ce qu'à un moment, faut pas qu'on arrête pas d'ouvrir le Pokémon, faut qu'on continue en fait. Là, c'est continuer. Tu vois, on dit l'extension est pas ouf, on a une gold. C'est assez incroyable, ouais. Elle est magnifique. Non mais c'est dingue. Elle est magnifique, même si voilà, forcément, et puis vous avez des codes en avance. Hein. Ça aurait été mieux d'avoir des Démolos ou Octillery, mais... Ah bah, ça aurait été incroyable d'avoir des Démolos, mais c'est oui, ouf. C'est très bien. Non mais c'est ouf. Donc 1000 points, voilà, 1000 points. D'accord, ou point final. Voilà. C'était Rengeki en... Je préfère le 1000 points que le point final. Je préfère le Rengeki, voilà. Mimantis, Pierre Fabek qui est très joli. Non mais j'adore les arts de cette extension. Ouais, et puis ça change un peu de tout ce qu'on a vu. Ouais. Et là il y a 160 cartes donc il y a beaucoup de Pokémon. Mais Nosferatu que t'as eu en reverse. Énergie. Fermite. On fera la collection que si ça part bien. Bon, là, ouais, ça part très bien, mais camping, si ça continue bien. Corbus. Et Oko conducteur. Et pour finir, Prismillion. Du coup il y a combien de cartes dans l'extension? 163. 163. Mais qui m'écoute pas ce que je dis. Mais non. J'ai tout fait tomber! Bah, vraiment. Non, j'ai fait tomber une carte. Non, ça va. Ah, mais c'est des autres. Oh, on s'en fout. Non, mais une carte! Il y a une carte de. Il y a deux cartes de ouf à voir. Oui. C'est des. Alternatives. Alternatives des Rainbow. Chifours bleu et rouge. Ouais, on va dire Chifours bleu et rouge parce qu'on le connaît pas. Non. Donc, on l'a jamais rencontré. On le connaît pas personnellement. Non. Oh, j'ai peut-être quelque chose. Oui, t'as, encore, j'ai l'impression. Peut-être une V, ouais. Ça serait cool. Donc ça c'est ça serait cool, attends, trois boosters! Tac. Chétiflore, Archéomyr, Cornèbre, Énergie, Aflamanoir, Rouleau, Acerbe, point final. Ce qu'elle croit. Il n'y a pas d'Amazing hein, dans cette Non, il n'y a pas de carte au milieu. Scorplane. Et une V. Ah bah pas un Goléon probablement. Oh, pas mal. Propre hein. Ah ouais, franchement stylé. Hein. C'est plutôt propre, hein. C'est assez joli. Hein. Pas mal. C'est pas mal du tout. Franchement, on commence très bien là. On commence plutôt bien. On a un très bon pack la première. Bah, on a que 4 boosters quoi. Mais on a non, mais 10, oui. Quoi. Bah, c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Donc, lui, pas deuxième sleeve. Hein. C'est une V. Les V, c'est moins rare. Donc, attends, dernier booster. Allez, vas-y. En plus, pas Goléon, c'était le destin. Il n'y a pas Goléon en full art, en arc-en-ciel. En arc-en-ciel, en tout. J'ai même pas vu la gold. Et je sais, je crois qu'il y a un dresseur qui est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, mais tout au fond, il y en a qui mettent les. Comment ça s'appelle? Oui, devant. Les peu communes devant. Avec les peu communes, on préfère commencer avec les communes. Balbuto, Charpenti, Écrapins, Énergie-feu. Mais il n'y a pas de Dragon-feu. Nosferalto, Recycleur d'énergie, Urne de vitalité. On a eu Scorbol et pour finir, oh, Chaofouin en 1000 points. Donc, pas en mal, c'est des Pokémon qu'on voit pas souvent en donc, plus. Pas d'Holo, mais bon. Pas d'Holo, mais quand même gold. Une gold, je pense que tu peux pas demander mieux quand même. Bah, une gold, c'est très cool. Une hein. Gold, c'est énorme, mais c'est énorme. C'est même énorme. Si en France, ça a beaucoup moins de valeur qu'au Japon oui. Ou que dans bah, d'autres pays. Bah, savoir que c'est beaucoup. Bah, le... bah, il y a non, beaucoup plus de Pokémon, voilà. Mais c'est vrai qu'au Japon, on a beaucoup plus. C'est normal. C'est pas mal. Alors, du coup, moi, j'ouvre le mien. En espérant avoir autant de chance que Guillaume, parce que franchement, bah non, bah, là. Faut plus de chance. Bah, déjà, si t'as j'ai autant, faut ce serait déjà pas mal. Faut que t'aies une arc-en-ciel shiny là. Ah, bah, déjà, on va voir ce que tu as en. Allez, pas des molos. Oh oui Archéodon. Bon, elle est nulle, mais. Bah, ouais, c'est cool. Au moins, c'est deux différentes. Archéodon, style de combat. Et donc, moi, normalement, j'ai la même chose que Guillaume. Cool. Donc, Chaours. Non. Ça, c'est quoi? C'est pour jouer ça? Chifours, Tyranocyp et Pangoléon. Après des golds. Je vais commencer par les Chifours. Ah non, ils listent pas les golds. Ils listent pas les golds? D'accord. Bah si, là. Non. Ah ouais? Bah pourquoi ils listent pas les golds? Parce que c'est secret. Ah, et vu que c'est secret, ils listent il rien. Pas. Bon, allez, c'est parti, le petit code. J'sais j'espère pas que t'auras de la chance. Hein. Bah j'espère aussi. Je sais pas ce que c'est un pack d'AP, je sais pas si on c'est. Si c'est y a des trucs, si c'est codé, si je sais pas. Grucui, donc il va pour moi ça va être un minimum généreux quand même parce que c'est une vraie AP quand tu payes ton paquet assez cher et que tu ouais, mais ça reste de l'aléatoire donc je sais oui, pas. Oui, ça reste de l'aléatoire. Chaglam. Cool, énergie 1000 points. Elle est jolie. Dunaja. Ah oui, on avait dit que c'était pas obligé qu'il mette celui-là. Énergie 1000. Viscuse. Malos. Énergie électrique. Énergie 1000 points du coup qu'on a eu en gold. Ah oui, d'accord. Ben ah oui. Ouais, donc elle est vraiment faite celle qu'on a eu. Bah oui. Elle peut être utile en je plus pense pour le jeu. Je pense qu'elle peut être utile, ouais.
Multi-exp. Ça se trouve, elle vaut très cher en japonais. Possible. Vagomine, en reverse, Monorpal et... Oh, une arc-en-ciel! Mais c'est une blague! Mais non, mais c'est pas vrai. Allez, Chifour, ça serait incroyable. Oh, non, mais c'est bien non, déjà. Mais non, mais c'est une blague! Non, mais c'est une blague! Je crois qu'il faut qu'on continue Pokémon. Non, mais c'est une blague! Elle est incroyable! Une arc-en-ciel et l'une. On a ouvert 5 paquets, on a une arc-en-ciel et une or. Non, mais les gens. Mais... Non, mais alors, le Pokémon en soi, on n'est pas fan, on se surkiffe pas quand on a des choses. Par contre, il est magnifique. Bah, c'est une arc-en-ciel quoi. Elle c'est est fat, vraiment, quoi. Vraiment belle. Bah, ouais, les effets sont. Oh là sympas. Là là là. Non, mais les gens. Non, mais... c'est pas possible. Non, mais il y a une blague. On n'a pas regardé sur d'autres ouvertures en anglais ouais. Ou autre. C'est quoi le quota, mais là, c'est. Non, c'est pas possible. C'est une blague. Remboursez-nous, on n'en veut pas. Non, mais c'est une blague! J'y crois pas là. On va voir le reste. Ok, non, mais. C'est perturbant. C'est très perturbant, ouais. Mais surtout que normalement c'est. Mais bon. Pourquoi le code il est à l'envers et là il est à l'endroit? Ah bon? Oui, tout à l'heure, moi quand j'ai ouvert mon booster il était comme ça. Ah! Donc tu vas pas avoir la même chose. C'est une arc-en-ciel. C'est même pas sorti l'extension, on a déjà une arc-en-ciel, une gomme. Non, mais. T'as dit si ça commence bien. Ça veut dire, faites la collection. Chitiflore. Voilà. Il va falloir racheter des classeurs. Archéomir. C'est une blague. Cornem. Déjà, on a mis 10 ans à paquet dans Voltage et Classeur et Arc-en-Ciel, et là, on a une direct. Hippotrope. Non, on en avait une rapidement avec Tarak. Oui, mais un Pokémon. Ah, un Pokémon. Ah oui, ouais, je crois qu'on a un seul. Fat, c'est hein. Non, mais c'est plus que fat, c'est énorme. C'est énormissime. Rouleau. Est-ce que qui m'a gagné tourbillon. Alors ou quoi? Bah, on va dire, c'est équivalent quand même. Non, mais quelle blague. Non, mais c'est une blague. Énergie 1000 points, tiens, encore. Démolos, du coup, qui correspond à... au Démolos. Ouais, je pense que c'est la même chose, c'est exactement la même carte, voilà, sauf c'est la même carte, sauf que l'illustration n'est pas la même. Et... Flygon, oh, oh il est mignon. Il est trop mignon. Pas abusé, quand même. Non, mais les gens... Attends, t'as une V, ça se trouve, je vais avoir ça, une V. En termes de c'est prix... C'est quoi, c'est le pack d'avant-première de la mort qui tue, hein. On a de la chance. Tiens, il est... Regarde. Ah ouais. Alors que tout à l'heure, il était comme ça. Une autre arc-en-ciel. Chifourse. Moi, je veux voir à quoi il ressemble le Chifourse. On essaiera de le paquer. Parce que je pense que la carte est vraiment belle. Oui, l'alternative. Hein. Et du coup, on essaiera de se donner les moyens d'essayer de la paquer. Voilà. Alors, Gripat. Même si on n'est pas fan du Pokémon en soi, parce qu'on n'a pas Kaknea. Fait les DLC. Mais j'y trouve vraiment belles les cartes. Elles sont mignonnes. Ouais, ouais elles sont Kaknea. Mignonnes. Elles sont assez mignonnes. Là, un peu classique. Scalpion. Et il n'y a pas Goupilou, quoi. Charpentier. Goupilou. Énergie Feu. Hypocéan. Dracofeu. Rouleau Tourbillon. Cacturne. En reverse, Scorplan. Ah, on l'a déjà eu. Et Monsieur Vaquet de Galar, qui nous faut eu. En. Non, c'est Monsieur Mime de Galar qu'on n'a toujours pas eu dans Destinée Radieuse. Ouais. On va faire une petite pause sur Destinée Radieuse. Ah bah non, parce qu'il y en a dans demain ou après-demain. Oui, ouais, voilà. Mais on va ouvrir d'autres choses un peu. Oui. Il y a ça et un autre truc aussi. Ah oui, donc t'avais deux paquets trop bizarres. Oui, un paquet. Je pense que ça sera tout, mais c'est énorme. Oui, bah. Hippotrempe. Genre, un seul truc, on a une arc-en-ciel. Savez-vous, excellent. En plus, Guillaume, ouais, j'espère qu'on va avec une petite full art, ce serait bien. Non, j'ai dit oh, une petite arc-en-ciel, ce serait cool. Si bon, c'est pas chez Force. Je pense qu'il existe un arc-en-ciel. Capture. Deux fois. Ah, bah, Moustar, c'est lui qui est. Heureusement qu'on n'a pas eu lui, en arc-en-ciel. En reverse. Ouais. Non, en full art, oui, arc-en-ciel. Qu'on a paqué dans. Et Sarah. Sarah aussi. Ouais. Balbuto. Et Colossinge. Par contre, il n'y a pas d'Holo dans un seul paquet, ouais, on a toujours pas eu. On avait eu. Bon, bah en 8 paquets, je pense que c'est pas trop mal. On fait moite-moite, hein, puisque je pense qu'on a égalité. Oui, c'est vrai. Oui, parce que du coup, t'as eu une gold, une V, j'ai eu une arc-en-ciel. Voilà, on va dire que ça va faire égalité. Donc on fait 2-2. Et on espère avoir. On n'arrivera jamais à se départager, les gens, c'est mal. On espère avoir. Oh. Mais ça change en fait. Ah non. Ah non. Ah ouais. Je suis fou. Alors, du coup, on a qui? Allez. Ah, ah non, en plus elle est moche. Il était moche, bon les deux fois. Bah d'ailleurs nous on avait acheté assez cher hein, mais maintenant ouais le Dracaufeu de du coup Voltage éclatant de pack d'avant-première il est juste. Bah c'est abusé qu'ils aient fait ça. Ouais. Parce qu'en fait dans les packs d'AP de Voltage éclatant t'avais une chance d'avoir Dracaufeu quoi. Oui mais il y avait autre chose aussi qui faisait que ça cote, c'est qu'il y avait le problème bug, des gold. En plus il y avait les gold, ouais. Non mais. Pff. D'ailleurs, il nous aurait des élites de Voltage éclatant, on les ouvrira quoi. Non, les élites c'est vraiment pour la collection. Ouais, elles sont cool. Ah, t'as décidé de prendre pas Goléon. Bah, je prends dans l'ordre. D'accord.
Putain, ils sont pas à l'envers. Bon, bah, une autre gold alors, ou une full art, ou. Bon, on peut être exigeant au vu de ce qu'on a eu avant. Ça peut être pas mal. On peut se dire qu'on va peut-être avoir des trucs. Onyx, surtout là, c'est vraiment les 12 seuls boosters qu'on va ouvrir avant la sortie officielle, probablement. La semaine, dans 15 jours. Oh, mais c'est trop bien, Ramolo, c'est trop mignon. Voltoutou, il est trop mignon. Mais non, mais j'adore les artoirs. Oh, jaune, encore jaune. Ah non, rapace épique. Gros ray. Rouleau acerbe. C'est vrai qu'on patiente moins sur les. Charpentier et. Oh, Drayeul. On patiente. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on patiente moins sur les artworks parce qu'en fait, on les a ouverts en japonais donc on les connaît un petit peu déjà. Bon, non, mais lui, il est mignon. Lui, par contre, il est très très mignon, ouais. Hop, notre petite bulle, donc on a pas beaucoup de cartes, hein, et on a déjà une gold et une arc-en-ciel. Et oui, je suis sûre, on a même pas la collection qu'on a déjà la gold et l'arc-en-ciel. Moi, je veux paquer une méga carte. La collection en commune et peu commune, hein. Donc, je veux paquer une méga carte. Non, à chaque fois que tu dis ça, t'en packes pas. Alors qu'à chaque fois qu'on se dit, ouais, c'est bah, un minimum, au moins une V, on en pack. Grucui, Monorpal, Electek, Balbuto, Scorplan, Énergie Feu. Non, combat. C'est vrai. Coléodome, j'étais convaincu, hein. Ça m'a détruit mon délire. Gros Tichon. Oh, il est trop mignon. Lui est trop bien. Il est trop mignon. Onyx, j'avoue qu'on a que des marrons. Oh. Et ouais, j'avoue, ouais. Et Beto chef. On n'a pas eu. Il n'y a pas une seule holo. Donc on va voir, est-ce que du coup c'est possible de rien avoir? Par contre, ils sont chelous, hein. Franchement, ils sont. Oui, ils sont un peu gonflés. Ouais. Celui-là est gonflé là. Ouais. Trop bizarre. Oui, on va voir si il y a des packs d'avant-première, parce que sinon vous allez vous ruer dessus en croyant qu'il y a des choses. Non, mais une arc-en-ciel. Si là t'as une poulard, c'est éclaté, tu sais. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Du coup, là, c'est pas comme. Peut-être quelque chose ou pas, tu penses? On peut pas se spoil comme dans Destiny Radieuse. Crippat! Oui, parce qu'il n'y a pas 15 Lipsy. Cartes rares. Cacnea. Scalpion. Bah, elle est pas mal. Quand même, moi, je suis pas fan. Il y a une fanbase. Franchement, la carte est difficile. Hein. Bah, j'ai mis ce top loader. Coléodome. Oui, Messire. Colomar. Tu vois, le truc qu'on trouvait pas. À Colomar. Concentration de Cornelia, c'est elle en flirt aussi. Allez, du lourd. Oh! Une VMAX. Ah, c'est une VMAX de She-Force. Oh! Trop fort. Donc, ça, c'est pas les alternatives, mais du coup, c'est les VMAX, elles sont incroyables. Elle est incroyable! Donc, ça, elle est partie du set, c'est pas une secrète. Mais il y a aussi celle-ci en secrète arc-en-ciel, et il y a une autre encore comme ça. Mais elle est magnifique! Elle est super belle. Et franchement, ils sont. Du coup, c'est She-Force 1000 points. Ah, et She-Force point final. Ça y est, on a compris! Bon, t'y a un défaut de. Ah oui, il y a un petit défaut. Bah, c'est pas grave, on va la garder. Oui, de toute façon, c'est pour nous. Elle est ma. Bah, meilleur VMAX. Non, mais. Avec She-Force en rouge. Mais meilleur VMAX. Ah, c'est cool de l'avoir eu. Ouais. Non, mais les gens, c'est amusant. Elle est très sympathique. Bah, franchement, bah. Il y a peut-être un quota alors. Hein. Bah, on commence pas à dire ça. Parce que les gens, ils vont vous. Non, mais peut-être obligé d'avoir au moins une full art. Au moins une V, non. Non, une full art, je dirais. Une revêtement en résine. Joli, hein. Très joli. Bah, faut nous dire pour tous ceux qui ont ouvert les packs d'avant-première. Ah, c'est pas mal, hein. Bah, non, mais c'est plutôt très bien, même. Cornèbre, Hippotrempe. On a pour autre argent. Cerebou, cool. Exactement. C'est cool. Exelang. C'est très énergie. Cool. Oh, Peregrin. Peregrin Took. Scorvol. Aldo. Donc, ça, c'est vraiment de l'extension du DLC de Épée Bouclier. Prismillion. Et Colossinge, qu'on a déjà eu. C'est tout? Ben oui, ben c'est déjà pas mal. Donc je pense que t'es obligé d'en avoir une. Tu penses? Attends, dis pas ça parce que. En gros, une résine quoi, comme ça là. Ben non, mais là c'est ouf, hein. On a ouvert 3 packs d'avant-première. 12 boosters. En gros, on a ouvert 4 packs. C'est bien. Ouais, bah c'est plus que bien. Ouais, parce qu'on a eu beaucoup de chance. Mais si t'as juste des VMAX ou tout, tu vois. Oui, c'est sûr. Oui, tu peux avoir des VMAX. Je sais pas du tout c'est quoi le quota. Faut que je dise dans les commentaires. Mais c'est très bien. Mais franchement. Ben non, on a eu She-Force qui est une des illustrations. Je m'attendais à rien. Ah bah c'est ça. C'est ça les cartes, je pense. En gros, parce que là, She-Force, il y a l'ordre de la lumière qui sort de la main. Ah oui, je pense que ça, c'est l'alternative. Première carte, donc Ishigeki, c'est plus stylé Ishigeki que... Oui, ouais. Donc là, c'est la gold qu'on peut avoir la première, et la deuxième, c'est Octillery. Rengeki, du coup, c'était bien ça. C'est pas les Pokémon de ouf, mais ils sont pas mal. On peut avoir les différents... Donc ça, c'est... Comment il s'appelle? Je sais plus. Moustar, c'est ça? Et là, en fait, c'est là où c'est oufissime, les gens, parce que nous, on a eu celle-ci, donc c'est très cool. Franchement, c'est très cool. Elle est belle. Elle est très très belle. C'est très cool. Et en fait, ce qu'on peut avoir, donc on peut avoir donc celle donc que Kim a eu, VMAX que je viens d'avoir. Celle que Kim a eu, voilà. Donc exactement la même carte, en mais arc-en-ciel. En arc-en-ciel, sauf que c'est pas la seule chose à avoir, c'est celle-ci.
C'est la VMAX arc-en-ciel, je sais pas quoi. Celle-là, il faut qu'on la pack. Il faut qu'on pack soit celle-ci, soit l'autre, du coup. Et du coup, c'est vraiment ça. Voilà, c'est celle que je disais sur les packs. C'est ça. Ouais. Donc, avec la bouche ouverte. Elles sont incroyables. Il faut qu'on pack celle-ci, les gens, donc on va se motiver. L'objectif sur style de combat. Je pense pas qu'on rouvrira des packs d'avant-première. Parce que c'est un petit peu. Et puis, c'est un petit peu cher par rapport au contenu. Bah, on attendra le 19 mars pour vous ouvrir, donc dans 10 jours tout pile. Pour vous ouvrir du style de combat. Je pense qu'il faut qu'on continue Pokémon. En fait, on a toujours de la chance. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Guillaume Kim. Allez, salut!